Le 8 septembre dernier, la reine Elisabeth II, affaiblie depuis plusieurs mois par des soucis de santé, rendait son dernier souffle à Balmoral, entourée de ses enfants. Si beaucoup s'attendaient à sa disparition, l'annonce a fait l'effet d'un choc dans le monde entier et dans le cœur des Windsor, devenus orphelins. Son fils, Charles III, l'a remplacé mais personne ne prendra finalement jamais la place de celle qui a occupé le trône pendant plus de 70 ans, record de longévité qui ne sera sûrement jamais égalé. Lors de son discours à la nation pour Noël, le roi Charles aura un mot pour sa défunte maman, sa dévotion et tout ce qu'elle a accompli au cours de son règne quasi exemplaire. Mais il n'est pas le seul à lui rendre hommage en cette fin d'année. Kate Middleton, princesse de Galles, a elle aussi marqué les fêtes par un discours en hommage à celle qu'elle a eu la chance de côtoyer. À l'occasion d'une émission diffusée ce 24 décembre, Royal Carols, Together at Christmas, Kate Middleton a enregistré un message vidéo à l'attention du public qui a été diffusé sur le compte Instagram de Kate et William. Quelques mots tout droit sortis du cœur qui lui ont permis d'évoquer leur projet pour ses premières fêtes sans la reine, « Ce Noël sera un autre premier sans Sa Majesté la reine Elisabeth. » Sa Majesté adorait Noël. Elle voyait Noël comme une période qui permet de rassembler les gens, et qui nous rappelle l'importance de la foi, de l'amitié et de la famille, pour montrer de l'empathie et de la compassion.